Urban Boys and Girls, j'espère que vous êtes confortablement installés. Et ouais, c'est Urban Street qui débute avec ton homeboy, Sylvestre Franck. C'est une première. Une première, on est là pour mettre en avant le game Made in 237 et d'Afrique en avant. Et c'est si vous êtes confortablement installés chez vous, on va le faire dans 1, 2, 3, c'est parti. Quel est votre nom? Qui? Vous? Moi? Votre nom? Jean-Michel. Jean-Michel qui? Kankan. Les jeunes filles du quartier Mbouadama fait bonbon. Les jeunes filles du quartier Mbouadama fait bonbon alcoolisé. Les jeunes filles du quartier Mbouadama fait bonbon alcoolisé. Les jeunes filles du quartier Mbouadama fait bonbon alcoolisé. Les jeunes filles du quartier Mbouadama fait bonbon. Les jeunes filles du quartier Mbouadama fait bonbon alcoolisé. C'est ça, je vais chercher même dans vos lycées. Je ne fie pas le proviseur, non. Ok, vu que c'est moi-même le professeur. Anne, Mango Faya, Ananda. Avec Paris Fouyari, come out from Mbanda. J'ai dit, hein, tu t'as dit d'aller fouiller dans mon agenda. Voilà, maintenant tu as donc vu la photo de mon banga. Grand Max Star, 10 sur 10. Bébé, tu as donc vu, donnez-moi tout de suite. Pourquoi tu m'imbas, tu n'es même pas ma go. Mais moi, tout ce que je veux, c'est mon marigot. Les jeunes filles du quartier Mbouadama fait bonbon alcoolisé. Les jeunes filles du quartier Mbouadama fait bonbon alcoolisé. Les jeunes filles du quartier Mbouadama fait bonbon alcoolisé. Les jeunes filles du quartier Mbouadama fait bonbon alcoolisé. Les jeunes filles du quartier Mbouadama fait bonbon alcoolisé. Les jeunes filles du quartier Mbouadama fait bonbon alcoolisé. Les jeunes filles du quartier Mbouadama fait bonbon alcoolisé. Les jeunes filles du quartier Mbouadama fait bonbon alcoolisé. Ma maman m'avait dit de ne jamais dormir dehors. Amouf, n'est-ce pas? Anne, c'est ta maman aussi qui te maquille. Faux mascara, tatouage, petite jupe en cuir, jupe en cuir. Laisse maman tranquille, tu n'as pas peur de Dieu. Tu viens me mentir, maintenant tu joues les petites filles. Petite fille, avec les petites strings. Oh papa, est-ce qu'il y a la bière pour la petite fille? Anne, tu as bu, tu as bien consommé. Je confirme alors maintenant que tu m'as calculé. Grand Max Star, 10 sur 10. DJ Stami, DJ Crystal, je dis 10 sur 10. Pourquoi tu m'imbas, tu n'es même pas ma go. Mais moi, tout ce que je veux, c'est mon marigot. Les jeunes filles du quartier Mbouadama fait bonbon alcoolisé. Les jeunes filles du quartier Mbouadama fait bonbon alcoolisé. Les jeunes filles du quartier Mbouadama fait bonbon alcoolisé. Les jeunes filles du quartier Mbouadama fait bonbon alcoolisé. Les jeunes filles du quartier Mbouadama fait bonbon alcoolisé. Les jeunes filles du quartier Mbouadama fait bonbon alcoolisé. Les jeunes filles du quartier Mbouadama fait bonbon alcoolisé. Les jeunes filles du quartier Mbouadama fait bonbon alcoolisé. Alcoolisé, alcoolisé, alcoolisé.
Yo, le Philippe! Le Philippe Guimous! Le Philippe Guimous! On attend ce moment son anniversaire, ça va être chaud, gars. Hey, vraiment, les gars sont déjà là. Donc, vous voyez, je suis avec mon man, Philippe Guimous. C'est un soldat du game. Donc, on est là, nous sommes là pour recevoir un groupe qui se fait appeler Young Boys Gang. Donc, Young Boys Gang, les gars, vous les reconnaissez. Et pour ceux qui ne connaissent pas, qui est-ce qu'on appelle Young Boys Gang? C'est juste le clip que je vous présente, c'est ça. Young Boys Gang, Zala, 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 Remix, Zala, yeah. J'commence le premier négro pour les grandes gueules et les petits corps. Webidi fait râler, normal, sur tous les tableaux, on a les plus gros scores. Mola, tu dors, ta vie dort, c'est la nouvelle règle à suivre. Ta vie appartient à ceux qui se lèvent tôt et plus à ceux qui rêvent trop. Bravo, casquette à l'envers, pas le temps de faire une sieste, non, non. J'vise le sommet de la haut, tu me diras si je me vois encore. Toujours en tête de gros somme, Mola, voilà le remix, on s'y consomme. Tu dors, ta vie dort et ton appétit somme. Non, le showbiz, c'est mon hobby, pareil que t'es maudit. J'ai pas niqué ma vie en faisant dans la musique. Ici, Mola, on ne se prend pas pour les messies, mais pour les meilleurs et les binos, on restera dans le YPG. On te dit la vérité. Si tu dors ta vie dehors, il faut te réveiller. Lève-toi, va bosser mon frère. T'es un gros jeune, c'est maintenant qu'il faut forcer. Aïe, oh, raté. Aïe, oh, raté. Over here a team, good leg over here a team. My mama dreams and my woman dreams, I can find them cause I don't sleep. All you do is slipping, same your life is lazy. When I will be king, I will take you, nigga, to clean my chanchus. Lully, yeah, nigga, will be half. In this game, man, we want the crown. Follow me, man, hold me half. The swaggy bitch, YBG hip, oh. Hellberry, how much why I hold these girls, I hit the number, niggas on my Blackberry, yeah. You simple like slipping, doesn't help me. This is the night, I'm Junju, I don't sleep. Don't test me with my team here for loyalty. We don't sell drugs, but everything we do is staggering. Staggering. But everything we do is staggering. MXC. Tell the nigga. Yeah. Sur terre tout est permis, mon rien n'est gratis. Tu dors ta vie d'or, je te conseille de vendre ton lit. Pas le temps de faire la sieste, hein. Je dormirai quand je vais au ciel, hein. La vie si sera misère, ouais nego, ouais ta meuf. Plus de matelas dans le bouchon, reste debout comme des keufs. Je ne dors plus comme le moustique, c'est l'arrêt de mon équipe. Plus de temps à perdre, on avance, plus de caprices. Pour on te dit la vérité. Si tu dors ta vie dehors, il faut te réveiller. Lève-toi, va bosser mon frère. T'es un grand jeune, c'est maintenant qu'il faut forcer. Aïe, oh, raté. Aïe, oh, raté. Raté. Si dans ta vie dehors, un mort solo. Tu négliges, j'en protège. Un mort solo. Tu négliges, j'en protège. Tu dérapes, c'est ton problème. Dans le showbiz, y'a pas de frère. Tu dampes ton domaine. Chez eux la nuit pas de conseil, chez nous la nuit pas de l'oseille. Toi t'étonnes pas qu'à 3h du matin, je suis en cancer. Passe-moi le café, moi, passe-moi le café. Tu trouves qu'on est doué, moi, passe-nous le café. Young boy pour la rue, la connexion est faite. Est-ce que tu quittes ça dit à son prix, on gère le bis pendant que t'es au lit. Moi là, c'est les Mika, et pour le bien des poussa. On sait ce qu'on boum boum, on est pas des poussa. Tu dors ta vie d'or, hein, on est dehors. Si tu négliges, on protège, et on te met le sol là. Aïe, oh, oh, oh,
mets un père là-bas qui met le logis. Maman Chandise. Hein? On a volé notre maman Chandise. Ah, on a volé, hein? On a volé. Quand tu dors, ta vie dort. Quand vous dormez, votre vie dort. Allez, levez-vous là-bas, allez sur vous. Ah non, 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 il n'y a pas de les deux. Les gars, c'est bon. Voilà, c'est tout à l'heure. Je suis déjà avec le groupe Young Boys Gang, les gars, ils sont quatre. Donc voilà quoi, ils vont se présenter très rapidement. Et nous, on va entrer, on va commencer les vraies choses. Parce que Urban Street, c'est pour la promotion urbaine 237 et pour la musique urbaine africaine. La présentation avec les gars. Yo yo la famille, moi c'est Swagger, rappeur, chanteur, comédien, acteur, danseur, blagueur, un million de garçons aussi. Mais bon, je vais laisser les autres se présenter. Yo, Mr. Spad, aka Dr. C, aka 2 L le long, aka le nerveux, celui qui rit pas beaucoup avec les meufs. Rappeur, danseur, animateur du Young Boss Game, parce que nous sommes un petit peu. Donc, je passe la parole aussi. Ah ouais, Morel, on se connaît. C'est Emis, chanteur, rappeur en plein temps du Young Boss Game. Entre temps, ça évolue, hein. Petit à petit, les choses arrivent. C'est toi, chérie, Ali. Elle est vraiment tout. Ah, ok. Bon, moi, c'est Nesta, arrangeur du Young Boss Game. Moi, je fais plus dans la musique. Non, donne s'il te plaît ton ancien statut. Ah, ok. C'était mon producteur du Young Boss Game. Ancien, oui. Rappeur, tu étais rappeur d'abord. Ah, oh, c'est ça que je faisais. Rappeur du Young Boss Game, c'est ça. Comme vous l'avez découvert, les gars sont hyper comiques. Et voilà quoi, le hip-hop c'est aussi ça, donc le HIP, HOP, Made in 237 d'Afrique. Maintenant, pour ceux qui veulent voilà, savoir comment ça se passe dans Urban Street, il n'y a pas de problème, vous nous envoyez tout simplement vos messages sur la page Facebook du programme Urban Street by Homeboy Sylvestre Franck. Pour ceux qui sont sur Twitter, il n'y a pas de problème, vous tapez tout simplement @sylvestre8001 sur Facebook. Voilà quoi, il n'y a pas de problème, hein. On va se mettre bien. Alors, on commence avec l'interview et bon maintenant les gars, vous allez me dire pourquoi est-ce que vous avez choisi le nom Young Boys Gang. Non, déjà à la base, on n'a pas choisi. Nous sommes venus trouver un collectif qui était déjà mis en place. C'est-à-dire Amen Swaga et MXC qui formaient déjà les Young Boys Gang. Bon, la petite histoire, c'est pas de mon formé notre groupe. On s'est collecté et après on a dit bon, on va bien à l'époque sur internet, un compte YouTube, que de commencer à chercher un autre nom. Ouais. On a dit ok. Bon, maintenant pour avoir trouvé le nom. Mais moi je vais dire la vérité, on a eu du mal à accepter le nom. Parce que quand tu vois ces vieux mecs, ils sont pas young, mec. Bah justement, on va dire ouais, moi je suis young. Ouais, le truc c'est que c'est le plus. Il n'arrive, regarde le plus. Il n'arrive. S'il vous plaît, Sylvestre. Ne l'affichez pas. Mais bon que les gars, ça. S'il vous plaît, Sylvestre. Voilà. L'avantage avec ce groupe, tu vois, ouais. Et toi et toute ton équipe, tu vois, c'est qu'on a fait l'école. Tu vois. Je pense que les auditeurs aussi. À l'école, on dit que quand un mec est vieux, c'est la barbe qui commence à pousser. Ouais. Je pense. Ouais. Voilà. Mais donc, je pense pas qu'à mes 17 ans et demi, je devrais déjà avoir la barbe. Ils sont sérieux. Ça, c'est un papa. Ça, c'est un papa. Moi, je vous dis, c'est un papa. Ne le croyez pas. Alors, le groupe est hyper comique. Donc, on l'a dit tout à l'heure. Vous avez compris au niveau de la présentation, c'était ça. Au niveau de la présentation du groupe, c'était aussi la même chose. Maintenant, on va être un peu plus sérieux parce que pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui ont envie de connaître qui est le Young Boys Gang, c'est-à-dire, vous avez dit que le Young Boys Gang, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous mettre ensemble et de former un? On a décidé de se mettre ensemble parce que déjà ça passait bien. Tu vois un peu. Ouais. Parce que Mix et moi on avait cherché des gars. On avait vraiment fouillé dans ça du coup. Un peu. Donc on a cherché des gars, ça. Il y avait toujours un petit truc qui pinçait. Tu vois un peu. Les gars étaient soit ils faisaient de la musique pour des meufs, soit ils faisaient. Ils étaient un peu faibles. Ils étaient un peu faibles, ça tu comprends. Donc, un peu. Faible dans quel sens en fait? Faible dans le sens où tu vois.
musical, tu vois. Dans Young Boss, gagner un certain truc, tu vois. Okay. Parce que nous, on fait pas que de la musique, tu vois. Nous, en fait, on essaie de vendre une image. C'est un style qu'on veut apporter. Tu vois, un peu. Certes, il y a déjà ce style, il y a des rappeurs qui ont du swag et tout. Mais maintenant, ils n'ont pas. Tu vois, un peu. Ouais, j'ai un truc, tu vois. Ouais. Non, bon, ça va paraître un peu arrogant, hein, mais bon. C'est tout ça, les gars. On a ça, on est. D'accord. Et parlons toujours du groupe Young Boys Gang. Ouais. Quelle est donc la qualité, ou bien, je ne vais pas parler de qualité, quelle est donc la. Je sais pas, depuis un moment, les mots m'échappent depuis un moment, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. Quelle est donc la particularité. Il est placé à côté de moi avec voilà. Tout ce charisme. La particularité c'est pas du groupe Young Boys Gang, qu'est-ce qui vous démarque des autres groupes en fait? Bon, déjà, dans le thème musical, on ouais. Pensait d'abord, je pense pour que c'est nous, la on se dit chaque artiste d'abord est différent de nous, tu vois. Mais maintenant, c'est la manière de le montrer et parfois de le prouver, tu vois, un peu. Ouais. C'est-à-dire, on a toujours été les mecs les plus bons à tirer sur nous, que les mecs là, ils sont, mais les gars ne connaissent pas, genre, tu vois. Même toi, tu pouvais pas imaginer que nous sommes comme ça, si on ne s'était pas connaissant. Ah, c'est clair. Donc ce qui nous démarque déjà, c'est que avant d'être, c'est peut-être notre gros défaut, avant d'être un groupe, on a d'abord été une famille. Tu vois, on démarre de la musique, on essaie de toujours être ensemble, de se conseiller dans nos projets personnels, la famille et tout. Bon, maintenant avec le Young Boys Gang, on dira qu'on ne peut pas encore dire que nous sommes différents des autres parce que nous sommes encore mélangés dans le même parcours. D'accord. Bon, on espère qu'avec le temps, ça va changer. Et puis, il faut que ce soit l'équipe de groupe. On va se démarquer. On va être mieux. Bon, et maintenant, entrons dans la phase qui pique un tout petit peu. Ouais. Au début, vous étiez 5. D'accord. Il y avait un membre de votre groupe qui se fait appeler Samy. Max Samy. Voilà, Max Samy. Et pour ceux qui ont regardé le remix Tu dors ta vie dehors, voilà, c'est celui qui faisait en fait le refrain. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Max Samy? Parce que beaucoup de personnes se posent la question de savoir, ouais, Young Boys Gang, les gars, là, ils ont écarté Samy, et puis nanani, et nanana, et tout. Bon, voilà. Vous êtes avec moi, et vous avez maintenant la possibilité de dire à tous ceux qui nous regardent actuellement à la maison, sur Internet et tout, que voilà, Samy, il est parti parce qu'il a eu ceci, Samy est parti. Donc, vous allez nous éclaircir un tout petit peu. Ok, les gars, on fait la bosse, c'est pas de alors, donc Samy en fait ouais. Samy c'est un frangin, tu vois. D'accord. Donc, la mec. Famille on la choisit pas, tu vois. Okay. Voilà. Samy, même ce matin, tu vois, jusqu'à midi, j'ai tenté de dialoguer avec moi par rapport à certains projets. D'accord. Donc en fait, le départ de Samy du groupe vient du. Comment je vais dire ça? Du moment où il n'y a plus cette affinité là, tu vois. Hein. D'accord. Businessment parlant. Ok. Voilà. Il y a les incompréhensions et les choses ne vont plus dans le même sens. Okay. Tu vois, okay. Quand c'est divergent à un moment, il faut. C'est regardez. Mieux pour tout le monde. Tu d'accord. Vois, d'accord. Ne pas arriver à un niveau où après, c'est les regrets ou. On voilà. Va commencer. Le truc qu'on va faire comme les détroits, c'est tirer dessus. Bon, on a. En fait, on s'est compris, tu vois. On s'est compris facilement, comme ouais. D'habitude. Ouais. Non, aujourd'hui, nous sommes ensemble, on fait des projets ensemble. C'est un bro, on a des sons ensemble. Tu vois. Nous, on n'a pas de soucis, tu vois, dans la majeure passé. Partie de nos coups et tous les halles. Ouais. On a des sorties qu'on fait ensemble. Mm-hmm. Tu vois, un peu dans un frère. En fait, c'est Sadi. Tu vois, comme tu vois, c'est Sadi. Ça, c'est notre. Le terre-terre, c'est le terre-terre. Et avant, même les membres du 47 doivent être. Avant la musique, déjà, à la base, tu vois, on connaissait Samy. On se connaît depuis 2010-2011, c'est ça, non? On se connaît bien. Et Samy, tu vois, c'est pas juste le YPG, tu vois, on peut passer avant. Samy, au début de notre carrière, tu vois, il nous a présenté quelqu'un de très très cher. Il a joué. Il nous a présenté au Crazy Dog. C'est Crazy Dog qui nous a pratiquement appris. Tu vois, quand on est sur scène maintenant, tout ce qu'on fait sur scène, c'est grâce à Crazy Dog. Okay. Ouais, c'est un père, tu vois, il n'avait aucun intérêt à nous placer là comme ça, nous cinq, que les petits si. On arrête le micro comme ça, il met la musique. Samy, nous quatre, à l'époque. Tu vois, il met la musique, on répète. Il s'assoit, il nous regarde, c'est pas bon. C'est nul, carrément. Donc, on reste comme ça, mais si les types, ils gagnent quoi? Ils gagnent quoi? Ils nous donnent des conseils également. Tu vois, un peu, ils nous disent que la bœuf, c'est pas bon, il faut pas toucher à ça. Mais par contre, la bœuf, comment ils ont été. Par contre, lui-même, il n'était pas. Il était dans un star. C'est un truc, tu vois. C'est net là et tout, mais le gars, il nous disait, mes petits.
pour pas faire ça. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Effectivement. Donc, et tu vois, c'est grâce à Samy qu'on rencontre ce grand frère. Okay. Donc, d'accord. Rien que pour ça, nous, lui, en sommes éternellement reconnaissants. Mmh. Tu vois, un peu, donc, okay. On lui donne un milliard de bisous sur le front. Un milliard de bisous, en fait. Oui, oui, sinon, on se fait les bisous. Le soir, ça vient. Alors, on va pas faire les bisous. On va faire les bisous. Je suis désolé. Donc, vous voyez à quel point le groupe Young Boys Gang, c'est vrai, on parle de Young, ils sont jeunes, mais ils savent vraiment ce qu'ils veulent faire et ils savent vraiment où est-ce qu'ils vont. Bon, les gars, on va prendre une toute petite pause parce que je vais faire découvrir une autre chanson à certaines personnes qui me regardent actuellement sur Internet. Vous voyez. Le son là. Et non, pas le son là, tu ne connais pas encore le son là. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du CCC, c'est-à-dire le Cotonou City Crew? Mais je connais ça. Voilà, quand on parle de Cotonou City Crew, on parle de On En A. Ici au Cameroun, On En A. À Cotonou, On En A. Donc CCC, c'est maintenant. Changé depuis ouais maman. Si tu parles trop va te caler au con. Matin, midi, soir mon pété n'arrête pas de sonner. Tout ce que tu cherches faut nous téléphoner. On en a, 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 on en a. Il y en a, il y en a, on 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 en a. Il y en a, il y en a. Je vois les MC de voir et la photo dès les stages. Leur carrière est obscure, ils trouvent qu'on fait trop les stars. Personne à mon niveau, j'en suis rendu à ce stade. Même après une classe de swag, tu n'auras jamais ce style. J'ai mis le bris d'une DM pour tuner ma nouvelle BM. Grosse climatisée, elle préfère ça à son ZM. Méchant pas de chicha, oui les gros c'est ça qu'elle ZM. Je reste le king sur mon trône, je suis ZN. Le comme boss négo, je suis un leader. Donne-moi le match, je me transforme en killer. Domine le game depuis que je suis mineur. A jamais ma cible négro comme Reggie Miller. Donne-moi un mic et je suis un tueur. Je pue le succès, c'est mon odeur. Trop de flow négro, je suis dealer. Trop chaud au mic, nasty dealer. Rien n'a vraiment changé depuis ouais maman. Si tu parles trop va te caler au con. Matin, midi, soir mon pété n'arrête pas de sonner. Tout ce que tu cherches faut nous téléphoner. On a la, on a la, on a la. On a la, on a la. Il y en a, il y en a. On a la, on a la. On a la, on a la. On a la, on a la. Il y en a, il y en a. On a la. On a changé mon gars depuis ma monnaie. Toute l'année je fais des scènes sans sortir de CD. Je suis unique, les négros veulent me doubler. Je suis tout seul, même mon casier a doublé. Minimum 7 chips sur la CB. C'est ton bébé si tu ne sais pas faire de blé. On est comblé, on mène ça dans le blé. Dans le VIP, on est complet. Pour rester là parce qu'on en a, parce qu'on en a. Le Rihanna, le Rihanna, le Adriana, le Mariama. On ne fuck pas avec un négro. Je ne vais pas te donner mon numéro. On dit un seul mot, vous parlez trop. Quand ça parle de chiffres, non, on parle gros. Rien n'a vraiment changé depuis où est ma monnaie. Vous parlez mais vous kiffez, c'est ça, on vous connaît. En boîte avec des twerkers, je suis déjà saoulé. Que Dieu bénisse la famille, on est toujours soudés. Rien n'a vraiment changé depuis où est ma monnaie. Si tu parles trop, va te caler au con. Matin, midi, soir, mon pété n'arrête pas de sonner. Tout ce que tu cherches faut nous téléphoner. On en a, 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 il y en a, il y en a, on 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 en a, il y en a, il y en a, on en a. Je parle de rap au bled, c'est que j'en ai fait. Si ce truc était à refaire, je le referais. Préviens tes potes et ramène tes refrains. Encore aujourd'hui, des rappeurs, j'en ai fait. Négro, je suis venu pour tous vos carottes. Je suis là pour remporter la cagnotte. Je n'ai rien à perdre, je n'ai peur de rien. Comme un négro qui gaze et mougou sans capote. J'ai le bras long et dans mon salon. Je mougou grave des actrices canons. Ces négros n'ont rien dans leur pantalon. Ils portent des spring ficelles et se baladent en talons. Je gagne tout le temps, c'est de la tèche. Je reste en tête d'affiche. Négro, je suis riche. Je m'en fous, je m'en guêpe et je m'en fiche. Si tu parles trop, négro, je m'en fais ta riche. Rien n'a vraiment changé depuis où est ma monnaie. Si tu parles trop, va te caler au con. Matin, midi, soir, mon pété n'arrête pas de sonner. Tout ce que tu cherches, faut nous téléphoner. On en a. 你知道今天上午有三个女孩抢劫了我的酒店，她们拿走了所有的珠宝还有现金，这些是不是 CCC 干的？他
带可能是 Titan Light 那部或者交出被绑干的。你知道你这样做就是在向我宣战，等着吧。哦啊可是我当真了。Alors comme on dit, le sport c'est bien pour la santé, il faut faire beaucoup de sport pour pouvoir être parmi ceux-là qui vont faire de bonnes choses pour le Cameroun. Alors attends, Robais, zoom un petit peu là, tu vois. Là nous sommes au Modias et les gars sont en plein entraînement. Je pense que tout à l'heure, l'entraîneur va dire un petit truc parce que c'est aussi quelqu'un qui fait partie de SAD. Donc big up à tous les basketteurs. Et on va entrer dans la rubrique, on est là pour faire avancer les choses dans le milieu urbain 237 et africain. Alors la rubrique c'est tout simplement les trois clips. Je rappelle, c'est une rubrique juste pour faire avancer le game. Urban boys and girls, I know you're ready. Go! Que soit plus une place dans les cieux, j'attends ticket bus, pas que dans le jeu. Pourquoi c'est prédit si on danse au copieux? Tant qu'ils soient les styles, les gars sont rageux. Les Kobe King, je me chie comme la merde. Et la chasse de tir, ouais je fais une pause. Que le game respire, je vois des putes dans la ville. Les ragots elles kiffent, tu me veux en concert? Oh allons je biffe, je rappe pas pour ta mère. Ouais c'est quoi ce deal? T'as cru que t'es HL? C'était ton équipe, t'as pas su rester vrai. J'achète dans le team, je vais peser comme cop, je vais peser comme cop. Des millions de hot, des millions de hot. Charbonne des nailles, charbonne des nailles. Ouais je vais grimper la cote, ouais je vais grimper la cote. Nigga ma nigga, je vais pas louper. La cible dans le viseur, on pousse ok. Ils critiquent à ma chaîne, sont abonnés. Pensez plus tous les vœux, ouais c'est quoi l'idée? Ton bœuf dans le sol, on l'a enterré. Du rap au système, coupé décalé. Le hip hop en deux, j'vois les vrais pleurer. Quand il fait réellement, on part s'aligner. Ah chacun ses bails, chacun ses bails. J'roule et je fly, j'roule et je fly. Tu rap et je bail, tu rap et je bail. Le tueur que je die, le tueur que je die. Le débat est clos, le débat est clos. Le bris c'est les dos, le bris c'est les dos. Ma nigga le show, ma nigga le show. On m'a beat on top, on m'a beat on top. Bridge, bridge. Passer des jours et des nuits à tourner dans le bloc. T'étais pas la mode à fuck. Tu ramènes ton bluff et tu prends le signer, on s'en moque. Balance ton chéquier dans le choc. On fait les urgents en aider les médias sur le quart. S'ils valident ton show, t'es au top. Les radios, les télés, certaines vont les puter, ouais fort. Si tu me veux, faut payer le prix fort. Y'a un nigga, wesh, t'es moi en de flow. Faut qu'il parle de moi, j'allose dans mon dos. J'arrive et je renique vos plantes en ballon. Parle-moi de bifton qu'on s'en fait en cause. Et tu peux tourner en un sale ego. Sans balai de temps, passe le cash ego. Tout si c'est le renoi sorti de l'eau. La famille veut le faire, tant que je kill un homme bien. Serial lover, je veux une bad bitch. File-moi le number, héros en le seum. La courbe est un kiss, Renoir plein de vis. Ma bitch a gardé kiss, kiss. I gardé kiss, kiss, kiss. You know what this, this, this. She wanna kiss, kiss, kiss. File-moi le bitch, bitch, bitch. Un négro se demande ce Renoir c'est qui. Tu n'as que ce Renoir c'est un putain d'avenir. We gotta click, click, click. T'es un jeune team, 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 team. Yeah. Y'a un nigga. Y'all nigga, y'all nigga. Y'all nigga, y'all nigga. Y'all nigga. Russian music. Army clip. Come on, put them on. Warren, Obi, Obi on a Tayel, nous on est Gawa, Obi, Obi on a
approché, regardé. Ils m'ont vu, ils n'ont pas cru en moi. Ils ont cru que j'étais un DJ. J'ai adoubé le pronostic comme Donald Trump aux élections américaines. Il paraît que c'est vous qu'on voit à la télé. Alléluia. On dit que je suis trop petit pour rivaliser à la Wagbal. Quand je suis pas là, ils parlent, parlent. Mais quand j'arrive, ils deviennent comme le bout des fusils sniper. Ils sont tous silencieux. Ça fraya, ça tchala. Ça raconte que le petit est déchaîné. La pauvreté touche même les animaux. Va en ville, tu verras des poulets piqués. Quand je marche dans la rue, j'ai la main en l'air. Les MC croient que je me rends, mais ils se trompent. C'est parce que dans la vie, faut jamais baisser les bras. On a qu'à faire quoi? Obi, Obi, on a qu'à faire quoi? Obi, on a qu'à faire quoi? Obi, Obi, on a qu'à faire quoi? J'ai 5000 j'aime sur Facebook. Obi, Obi, on a qu'à faire quoi? Tu roules en paix, moi j'emprunte Warren. Obi, Obi, on a qu'à faire quoi? T'es hier, nous on est gawa. Obi, Obi, on a qu'à faire quoi? T'as un compte en banque, t'as plein aux as. Obi, Obi, on a qu'à faire quoi? Moi je suis pas une ampoule, mais je sais que je suis né pour briller. Que je vais à mon produit, du temps est comme les journaux. Il est toujours d'actualité. Il y a trop de vieux rappeurs dans ce game, donc les vieilles personnes quittent. Si tu es un artiste honnête, on va appeler Petit Denis, comme ça il va te fumer. Tous ces rappeurs ne sont pas de taille. Ce sont les cousins d'Ayatollah. À mon arrivée, on les a tous oubliés. Comme Botabani, Motorola. Mon étoile brille, ça les plaît pas. D'autres pensent que c'est sorcellerie. Tellement ils veulent mousser, ils sont allés à vos frayards pour chercher mousse. Au début, ils étaient en avance. Et puis tout d'un coup, je suis dans la course. Ils ont commencé à m'appeler l'Indien. Parce que je suis arrivé en flèche. Je suis le plus grand de tous ces rappeurs. Donc c'est normal qu'ils fassent des coups bas. Ma carrière ne connaît pas de dodan. C'est comme la tête de Booba. J'ai changé de niveau, changé de level, changé de stage. Les garçons sont des grands mangeurs de placali. Quand ils voient une fille, ils courent après son clos. Obi, on a qu'à faire quoi? Obi, Obi, on a qu'à faire quoi? Obi, on a qu'à faire quoi? Obi, Obi, on a qu'à faire quoi? Obi, on a qu'à faire quoi? Voilà, voilà, c'est le beat, négro. Samedi passé c'était oh ma chérie c'est quoi là? Hi coco. Ah, faut te taire. Restez tranquille dans ce game vous êtes tous des enfants plus plein de dents carriées. Mais si vous êtes sage je vous emmène au toboggan. Vous descendez vos carrières. Tu sais pas à qui tu as affaire. Au cause ici faut pas toucher ça c'est cool. Laisse affaire de fruits et légumes là pour ta santé cherche à m'éviter c'est tout. J'ai confiance en personne je sais pas qui est qui. Je suis toujours sur la défensive. S.O.T. juste un petit pied de 5000 francs si toutes ces gencives. C'est des montants et tous ils sont pas à la hauteur. Tu ouvres quand ta bouche pour parler dans mon dos. Pardon, recule un peu. D'ici et sans l'odeur. La machine est lancée. Donc faut pas t'amuser. Tu sais que tu peux pas. Tu sais que tu peux pas. Faut changer de chemin. Faut changer de chemin.
changer le jeu. Faut changer le jeu. Faut changer le jeu. Faut changer le jeu. Changer les mains, faut changer les chemins. Changer les mains, faut changer les chemins. Changer les mains, faut changer les chemins. Changer les mains. La machine est lancée, lancée, lancée. La machine est lancée, lancée, lancée. Faut changer les chemins. Changer les mains, faut changer les chemins. Changer les mains. Changer les mains, ça va changer les changer les changer les mains. Changer les 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 changer les. J'ai bouffé la concurrence, maintenant j'attends de roter. Enfant de boss, c'est boss. Ami de boss, c'est ropé. C'est naturellement que je les charme, ça va pas changer demain. Tellement chaque soir, la go rêve à moi seul. Son mari des nuits en train de maigrir de gourmet. Dépassé, ils sont dépassés. C'est jazzé, la machine a lancé. Dépassé, ils sont dépassés. C'est jazzé, la machine a lancé. On m'a jamais favorisé, mais j'ai pas tout diabolisé. Aujourd'hui je claque des doigts, j'ai ce que je veux, même serré là qu'alcoolisé. Mais je préfère temporiser, papy tout est légalisé. Qui va se négliger, allez là, même fétiche fait les publications sponsorisées, hey. La machine est lancée, la machine est lancée. Donc faut pas t'amuser, tu sais que tu peux pas. Faut changer de chemin, Betty. Faut changer de chemin. Les gars, tu sais que ça peut t'abaler là. Faut changer de chemin. Faut pas les faire rater d'un peu quoi. D'accord. Changer les mains, faut changer les chemins. Changer les mains, faut changer les chemins. Changer les mains, faut changer les chemins. Changer les mains. La machine est lancée, lancée, lancée. La machine est lancée, lancée, lancée. Faut changer les chemins. Changer les mains, faut changer les chemins. Changer les mains. Changer les mains, ça va changer les changer les changer les mains. Changer les 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 changer les. Welcome to the Mississippi. You born boys and girls, je sais que vous êtes confortablement installés chez vous. Nous sommes de retour avec le groupe Young Boys Gang après la rubrique, voilà, les différentes rubriques. Et tout à l'heure aussi, vous allez recevoir les différents freestyle et cypher des rappeurs du Cameroun et d'Afrique. Bon, les gars sont encore derrière moi et on va encore discuter, on va papoter un tout petit peu, histoire de, voilà quoi, de parler un tout petit peu de ce qu'ils vont faire plus tard, actualité, les projets et tout et tout. Les gars sont encore moi. Alors, Young Boys Gang, dites-moi donc, nous sommes en 2017 et on vous connaît, il y a belle lurette déjà. Maintenant, quels sont les différents projets qui nous attendent, venant de, les différents projets qu'on attend du Young Boys Gang? Ah, pour dire vrai, tous ces temps-ci nous sommes dans le studio, tu vois. D'accord. Depuis janvier, c'est ouais. studio, tu vois un peu. Ouais. Donc nous, pour le moment, on bosse. Mm. Quand on va arriver à notre quota de son, tu vois, on va essayer même de faire plaisir aux fans. D'accord. Tu vois, parce qu'il faut essayer de faire plaisir aux fans sur la durée. Mm-hmm. Donc il faut que dès qu'on envoie, on aligne, tu vois. Mm-hmm. C'est un peu ça, et c'est ça qui nous a manqué toutes ces années. D'accord. Donc du coup, on veut vraiment faire plaisir aux fans. Hein. Mm. On veut vraiment les mettre dans le bon. On essaie de... Donc, là maintenant on essaie de perfectionner beaucoup de styles. On fait des trucs, on teste. Il y a le Mako, ça qu'on veut. Le Mapuka aussi. Et le aussi. Ouais, c'est ouais, ça, lol. On fait un peu ça dans tout et tout. Ouais. Alors, après tout cela, donc, on a Tu dors, ta vie dehors, remix. On n'a pas les mêmes goûts. On a. Je sais pas. Voilà, Négro, t'en as marre. Et il y a quelque chose qui arrive. Parce que c'est une exclue. Hein. Bon, je préfère le dire, il ne faut pas que les gars écoutent un secret entre nous deux, d'accord. Les gars sont en train de préparer un truc en studio. Et j'ai écouté deux sons et c'est la mort. Donc quand ça va venir, vous allez. Quoi hey, bon, il n'y a rien dit, hein, donc il n'y a pas de. Allez, donc comme je disais, les gars préparent beaucoup de bonnes choses. Et voilà, les gars, là on va parler d'un truc qui blesse un petit peu quoi. Vous, pour vous, qui
sont les rappeurs ou les rappeurs qui, pour vous, ne savent pas vraiment faire leur boulot en fait. C'est-à-dire, c'est en termes de rappeur, non. Tu cherches les problèmes, non, c'est pas... et tu veux nous inclure. Non, non, c'est non, ça non, le problème. C'est pas un problème. Comme je le dis toujours, oui à hip-hop, oui à hip-hop. Nous ne sommes pas là pour les problèmes. On arrange tout simplement le game. Donc pour lui, qui veut faire, pour la personne qui veut faire des problèmes, cette personne n'a rien compris en fait. Donc on arrange le problème. Et Big Up m'amène Monsieur Polémique, parce qu'il sait de quoi je parle. Allez, les rappeurs qui, bien le rappeur ou les rappeurs pour vous, qui font des choses qui ne... voilà, ne respecte pas. Bah, pour moi, tu vois, je vais pas essayer de tirer sur des rappeurs, tu vois, un peu. Moi, je vais dire, avec on n'a pas les mêmes goûts, je pense qu'on a répondu quand même. Ouais. Tu vois un peu, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes goûts que tous ces rappeurs, parce que depuis un certain temps, moi, j'ai constaté, c'est plus du rap qu'il y a au Cameroun, c'est de la comédie. Tu vois un peu, c'est pas du rap, c'est de la comédie pop. Tu vois un peu, les gars ils mettent des coches. Moi j'indexe personne. J'indexe personne, moi ils disent ce que je pense. Moi ils disent ce que je pense. Moi ils disent ce que je pense. Donc tu vois, il y a des gars et tout. Moi j'ai. Parce qu'il est inadmissible qu'on prend les coches du quartier. On ajoute un texte de rap. Si Tupac voit les trucs comme ça, gars, il va seulement penser à couvrir son costume que les gars ont chippé dans son cercle. Il se trouve sur un déjà, je soutiens un peu la thèse du swag. C'est ce qui nous fait, nous sommes un peu retirés parce que, dans un point de vue musical et carré, tu as l'impression que tu es perdu parce qu'il y en a des gens qui font, comment dire, ils font de la blague musicale, ils appellent ça musique. Ouais, et maintenant, le fait d'être allié à cette tendance, on a l'impression que si tu vas faire. Si tu fais de la même chose, on va dire que tu es pareil que Bon, maintenant, il faut, comment dire, essayer de s'écarter. Trouver son style et s'écarter. Apporter, imposer pour que ces mêmes rappeurs là. Oh, c'est changer. Moi qui parle, non? Oh, je sais que c'est toi qui parle, mais faut que t'aides. Je sais que tu ne sais pas d'exprimer, il y a un peu de VPC. Bon. En fait, on va couper court parce que les gars se sont exprimés comme il le fallait. Et je pense que nous sommes peut-être arrivés au terme de cette émission. Mais avant de terminer cela, je voudrais que les gars nous disent un dernier mot, c'est-à-dire adresser un message à vos différents fans, tous ceux qui vous aiment et tous ceux qui ne vous aiment pas. Quoi. Donc on le fait très rapidement. Moi, j'aimerais d'abord dire, il m'a coupé tout à l'heure. Il y a aussi le Young Boss qui fait pas bien son travail. On va couper ça au montage. Oui, on fait pas bien notre travail. Ouais. D'accord. Bon, maintenant, pour nos fans, on va seulement vous dire que. On a dit. Les gens disent dehors qu'il y a les rues qui arrivent. Ouais. Nous, on ne sait pas écouter les rues qui arrivent là. Les rumeurs disent. Ouais. Prétendent comprendre, connaître. Ouais. Oui, oui. Ouais, ouais. Bon, au fait, on leur passe un maximum de big up. On espère qu'ils vont être patients. Parce que la musique, c'est la patience. Et on espère que soit va quitter le groupe. Il parle comme ça, mais il ne veut pas qu'il quitte. Il a filmé son amour. Donc, bon. En fait, on a voulu vous présenter quelqu'un qui fait partie de quelqu'un de Sadi en fait, tu vois. Donc quand on parle de Young Boys Gang, on parle de rappeur, on parle de tout, gars. Je vous laisse se présenter, c'est tout le hip-hop, gars. Salut à tous les hip-hopers. C'est le Grand Gomor. Je fais partie de ceux qui soutiennent les petits Young Boys. Tous ceux qui sont avec moi doivent aussi être avec eux. C'est le futur du pays et le futur de Bolamou Sadi. Ils vont s'imposer qu'on ne veuille pas. Ils sont sur une bonne ligne. Il faudrait même maintenant que moi, en tant que grand frère, je les canalise pour que tout soit propre. Et je vous rappelle qu'on ne vient pas faire dans le bluff. Au niveau du clip, vous allez voir que c'est déjà avancé. Et comme c'est des gens qui font des choses en pro, moi aussi je vais m'ajouter ma touche. Bon, à tous ceux qui vont nous suivre, je ne pas dans des potes, c'est dans le bon sens. Et je vous demande de vous préparer. C'est un clip qui va faire mal des vacances de juin, juillet, août, jusqu'en décembre. Bon, on a au moins 5 mois, 6 mois pour gouverner tout le pays et sortir pour l'extérieur. En vrai. Donc, il s'est déjà présenté, voilà quoi. Donc, après ses paroles, on part encore chercher une musique pour lui faire un big up, quoi, tu vois, quoi. Urban Boys and Girls, I know you're ready. Go! Go! Parce qu'il faut faire vivre le bon, le plus rap made in 237. Tout le monde doit passer à la caisse. Pour la cotisation, on a chercheur d'or, Rollcar, Challenger, choisi MC. Skypa a fait le beat. Et moi, bien sûr, c'est votre soldat, monsieur Polémique. C'est Njangi qui démarre. Let's go! We gotta do the sound just to kill the monster. Ha!
I wanna kill the monster. Now, 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 now. Living with the monster, walking with the monster, sleeping with the monster, living with the monster. I got the niggas like finding out why the water so bad. Living out, I want it out, or getting out. I wanna kill the monster. Niggas tell me that you rappers been blue to myself when I'm get it on. I wanna trap us on the trappers on the gaddis on the waters on the trappers on brothers on got it on. I wanna kill the monster, kill the monster, punch the monster, smack the monster down with the underground. I wanna kill the monster, smack the monster, punch the monster, smack the monster down with the underground. Gang, yeah, all my niggas check it, want it, ride it. Gang, yeah, all my niggas check it, ride it, want it. Gang, yeah. Okay, check it, going. Visé, visé, oh, ça c'est dans mes habitudes. Moi je m'écarte mollo, mollo, comme une fumée vers l'altitude. Really pop, attitude, chercheur d'or, pas si tube. Le rap n'est pas encore mort, vu que c'est moi qui ai le flow qui tue. J'encaisse les coups parce que c'est de là que vient la force du nègre. Le but c'est d'être riche, peu importe si je ne suis pas célèbre. En vrai je suis l'élève qui vient défier les maîtres. Faites attention car j'ai des gants de boxe sur mes lèvres. Habitué au défi car le rap est un art lyrical. Ma martial, mon ami face à toi j'ai toujours la faible côte parce que je suis le Barça. Ghettoisé et le mental, au microphone je ne blague pas. Venu pour marquer mon temps et pour marquer les pas, mon ami je ne suce pas. Le combat continue, c'est pas moi qui vais capituler. Je sais que c'est dur mais je mouille le maillot comme un fils d'ouvrier. Aller-retour, on court, on fouille, on mouille et c'est décidé. On vient pour sortir du tunnel même dans des lunettes fumées. Fumées. Aïe. On le cas le parano. Aïe. Un verre de Billy Billy pour oublier la laideur des textes de RAP. Les buzz, les hits, c'est bien et vite jusqu'au fini, par te dire RIP. Arrête de parler, faut aller taper. Le jour que tu vas suivre mon son dans le fond de Tanga, mon frère, sache que ton coup va, ton coup va bon. Paraît-il que le game camère n'a plus de bons rappeurs. Que d'afro-pop et de trap, que tous la même, ce sont des faux rappeurs. Que des pseudo-charis, que des pseudo-bedezo. Que des rappeurs humoristes sur un beat de tonton et bogo. Calo, calo, nous sommes en plein jam. Sache qu'ici y'a pas de malo malo. Y'a que des bons MC hein. Même si tu ne peux pas te rattraper, voici un drap qui va te laisser bouche bée. Un parano avec les autres, tu obtiendras une boucherie. Mon rap est fluide comme les techniques de Pep Guardiola. Mes punchlines sont mortelles comme les punch food de Mourinho. Mon style et mon swag sont mortels, plus que Ebola. T'inquiète mon pote, tu es pas éphémère comme Ronaldinho. Mais qui a dit que le rap est mort? Qui a dit que le rap est mort? Yeah! Je rentre dans le beat comme un tsunami. Je rentre dans le beat comme je fais des textes sombres parce que je les écris la nuit. T'as reconnu le son de la rue? Qui l'aurait cru aujourd'hui? Ça roule en Ferrari! Hip hop 237! Ça fait trop de bruit sur internet! Ils n'ont pas cru en nous! Petit millionnaire avec une gueule de voyou. Qu'est-ce tu veux, mais c'est la vie. C'est comme ça, c'est le Njangi. Skypop fait le beat. 7-7, mais le petit pont, c'est le but. Skypop fait le beat. Yo, j'espère que vous avez kiffé parce que moi ils m'ont fumé. Alors rendez-vous le mois prochain avec 4 autres kickers. Surtout on n'oublie pas, on s'abonne sur la page. J.
comme même, tu te mets là, bon, tous les films, tout le monde. Je ne sais pas comment dire que. Il y a Christophe. Elle se présente, que je veux que ça la selle. Je veux pas être. Je te dis, c'est bon, gars. Yo. On a beaucoup de choses là-dessus. D'accord, voilà. Je suis avec toi. D'accord.